Salut Yannick. Euh, bah écoute, ça va très bien pour euh, ma part. Et toi, comment ça va Et Je te sens chaud. ouais puis ça m'arrive très rarement euh... oui en gros euh, on a une fonction anonyme et euh, qu'on utilise directement euh, sans la nommer Principalement. Est-ce que moi je peux agrandir Est-ce que ça change Allô Pardon, moi je t'entends. Ouais ouais non mais mon micro s'est désactivé. Bon. Donc je, je reprends ce que je disais. Donc en, en Rust on a un petit peu le même principe que euh, les lambda sauf que l'on va appeler ça une closure. Une closure c'est un terme qui est beaucoup plus générique. Il s'applique à un petit peu tous les langages. Et bah, Rust, en fait, il a juste repris le terme et euh, l'a incorporé à ce qu'il y a euh, dans les outils du langage. Donc, pour déclarer une closure, la syntaxe, elle est très simple. On va mettre une double barre et on va mettre un corps. Et ça, c'est une closure. Simple. Non OK. Il n'y a rien qui change avec une lambda. Bah là, pour l'instant, pour en fait on a juste déclaré l'existence d'une closure. On n'a pas fait plus, on n'a pas fait moins, on a juste dit la closure existe. Mais comme tu vois, euh, ton euh, compilateur te dit, euh, bah là, tu as une closure, mais elle n'est pas utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire pas utilisée Soit tu viens affecter ta closure à une variable, de l'appeler closure. Hein. Là, je l'ai appelé closure. Voilà. Soit tu peux faire un autre truc qui est rigolo, euh, qui est souvent fait lorsque on fait euh, du JavaScript. C'est qu'on peut appeler une fonction que l'on vient de déclarer. Donc, du coup, tu as ton truc. Euh, pardon. Hop. On met une parenthèse autour. Et du coup, tu viens appeler ta fonction. Donc là, on a juste appelé un truc. Ce qu'on vient de déclarer. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut affecter à une variable notre closure. Et venir appeler notre closure après. Ça va jusque-là Jusque-là, ça va. Mais du coup, quel est l'intérêt d'avoir une closure si de toute façon tu lui donnes un nom Autant, autant la... créer une fonction. Tu peux, là, tu peux totalement euh, créer une fonction qui fait exactement la même chose. Mais tu verras qu'il oh, y a des choses <laughs> que tu ne peux pas faire avec une fonction que tu vas pouvoir faire avec une closure. Mais là, typiquement, c'est comme si on avait écrit ça au-dessus. C'est exactement la même chose. Mm. Tu vois, ici, on peut euh, enlever le truc et. Euh, le code, il fonctionne exactement pareil. Je vois. OK OK. Ce qui est intéressant, c'est en fait, ta closure, elle va pouvoir faire des trucs. Parce que là, pour l'instant, on a juste déclaré une closure. Elle n'a pas de paramètres et elle ne retourne rien. Donc, c'est un truc qui est un peu nul. Par contre, ce qu'on peut faire... Est... <laughs> ça compile. Ce qui est très mais, mal. mais ça compile. Ce qu'on peut faire, c'est que... On va l'appeler Universal chair C'est qu'on peut lui faire renvoyer des trucs. Donc là, on, a, euh, on peut écrire ça comme ça. Mais aussi, on peut écrire ça directement comme ça. Parce que vu qu'il n'y a qu'un seul élément euh, dans le bloc, en fait, tu peux enlever les accolades que tu mets autour de ton corps. Pour juste en fait, euh, dire bah là, euh, le bloc, c'est uniquement 42. Ok, c'est uniquement de la syntaxe là. C'est ça. Et en fait, on peut regarder ce que ça retourne en faisant ça. Là, il va nous engueuler parce qu'il ne va pas savoir comment manipuler ce qu'on lui dit. Parce que là, il va nous dire que Universal Hunter n'implémente pas des bugs. Par contre, il n'y a pas un truc qui dit... Ah non, il ne le dit pas. Nanana, nanana. Ah, il ne le dit pas. OK. D'habitude, il le dit, en fait. Il le dit... Euh, bah En fait, euh, moi, je n'arrive pas à le débugger. Mais par contre, si tu l'appelles, je vais pouvoir le débugger. Ah, Parce OK. Parce qu'en fait, tu peux, appeler la... tu peux appeler le contenu de ta closure. Et là, tu vois que tu es venu en fait renvoyer 42 dans le retour de ta closure. Ok, okay. Et tu n'es pas obligé de préciser du coup, c'est implicite le fait que tu retournes... Enfin là, tu vas retourner par défaut une I32, c'est ça C'est ça. Ok. Ce que tu peux faire également, c'est de venir passer des paramètres. Donc si par exemple... On se crée une closure qui s'appelle euh, add. On va pas être très très euh, original. Hein. <laughs> non, non, mais il n'y a pas besoin d'être original pour comprendre le concept. On va avoir la possibilité en fait, de mettre des paramètres. Donc là, x et y, par exemple. Et on va faire x plus y. Ok. Sauf que là il nous dit mais euh, ok euh, tu vas vouloir additionner deux trucs mais euh, je sais je connais pas le type de ce que tu veux me faire faire additionner. Et comme il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il est en train de manipuler avant de le manipuler, bon, on va lui dire bah là par exemple euh, tu vas venir additionner des nombres euh, qui sont des 8. J'ai bien eu. Ok Ok. Et donc après, bah, tu vas pouvoir venir appeler ta méthode add avec euh, 5 et 2. Mm. Allez, il manquait un point. Un Ça va jusque-là okay. Jusque-là, pour moi, la closure, c'est une fonction sur une ligne. C'est ça. Ok. Avec une syntaxe un peu chelou, mais. Bah la, la syntaxe un peu chelou, en fait, si tu avais eu besoin de l'écrire normalement, euh, tu aurais écrit un truc qui, qui aurait été presque égal. Ouais. Tu aurais écrit quelque chose comme ça. Là, les deux, les deux éléments auraient été en fait égaux. Et ce qui est très très rigolo, en fait, c'est que si tu as envie de typer une closure, tu vas venir prendre ça, en fait. Et tu vas la typer comme ça. Sauf que tu vas venir enlever le nom des paramètres. Et tu vas venir enlever le nom. Et donc quand tu types ta closure, en fait, tu vas venir dire, bah... C'est une fonction qui prend deux paramètres. Je crois même qu'on peut mettre les. Euh... Ouais, on, peut même, on peut même mettre les paramètres si, si tu as envie de vraiment être euh, explicite. Donc, tu peux vraiment prendre la signature d'une fonction que tu aurais déclarée naturellement et venir dire bah le type de ma closure, ça va être ça. Mais du coup, là, en fait, on se répète par rapport à ce qu'on a dans les, dans les pipes. Enfin, entre les deux pipes. Oui. Ok. Et euh, tu dis, je déclare que c'est une fonction, mais ça peut être autre chose qu'une fonction. Euh, là, pour le coup, ça, une closure, c'est toujours une fonction. Après, en il, y aura, fait, quand... il y aura plein de subtilités, mais pour l'instant, c'est juste une fonction. On okay. appelle... Donc, euh, en fait, le FN, il est systématique, mais c'est toujours FN, quoi. Oui. Et en fait, lui, il est capable de deviner tout ça juste avec le type. Si ici, par exemple, tu enlèves les 8, mmh. il va venir les récupérer depuis la signature de la fonction. Et donc, en fait, ta signature, tu peux juste écrire quelque chose comme ça. Là, il va comprendre ce qu'il est en train de manipuler. Et de la même manière, comme tu es en train d'additionner 2 8, il sait que le résultat de son addition... Ah non, il ne sait pas, tiens. Ah non, il sait pas. Ah ouais. Rigolo. Je pensais qu'il aurait, il aurait inféré le, le type. Donc tu dois définir le, le type de retour. Pardon. <laughs> ok, ok. Enfin, à partir du moment où tu, où tu écris la signature, tu es obligé de l'écrire jusqu'au bout avec le résultat. Quoi. Ouais, au moins, le, au moins le, re, le retour et le typage des paramètres. Donc soit le, le, soit le typage des paramètres, tu le mets dans la signature, soit tu mets rien du tout et il infère tout ce qu'il a inféré. Ok. Mais si tu prends la main sur le type, bah tu es obligé de le déclarer jusqu'au bout. Ok. Et ouais. alors, je, je, je crame peut-être des étapes, mais dans quel cas on va préférer utiliser des closures que des, des fonctions classiques? Et bah dans le cas où si tu déclares non pas un add mais un sub ou un mule, on va faire un mule, ça sera plus simple. Comme ça on n'aura pas à gérer les, les cas à la con de... Ici, j'ai deux fonctions qui ont la même signature. Tu vois que tu as du U8, U8 qui renvoie du U8. Ouais. Rien ne m'empêche de venir créer une fonction run qui prend une fonction qui est du type que je viens de définir. Bon, on va carrément mettre hop, ce qui est là. Et en plus de la fonction, on va lui passer x et on va lui passer y. Euh, J'oublie tout le temps le U. Et donc là au lieu de faire un run de add, on va plutôt faire un run de add 5 et 2. Euh... Ah oui, j'ai appelé fonction. Trop l'habitude d'abréger de... des trucs. J'ai arrive. Ok Oh. et mmh. donc de la même manière je vais pouvoir faire mule et là j'ai pas eu à réfléchir en fait de, de ce que je suis en train de manipuler, je vais juste donner une closure qui a la bonne signature et ma fonction est capable de lancer cette exécution sans que j'ai besoin de savoir a priori ce que je suis en train de manipuler tout ce que je sais c'est que c'est une fonction qui prend deux paramètres. Ces deux paramètres sont tous les deux des 8 et renvoie un 8. Et donc à partir de là, bah, j'ai plus qu'à l'exécuter parce que euh, je suis capable de savoir quel va être euh, le le comportement en fait de cette fonction même si je ne sais pas exactement ce qu'elle va me renvoyer. Mais ça c'est pas mon problème. Ça c'est le problème du CPU qui va faire les opérations. Ok, mais je sais qu'elle va avoir un 8 systématiquement. Ouais. Quelle que soit l'opération. Et, coup, coup, si... si... et du coup, si j'ai envie de m'amuser à rajouter euh, plus 20, je sais que mon truc marchera toujours. Sauf si je dépasse euh, le 8, mais ça c'est un autre problème. Ok. Est-ce que tu je vois. vois le principe de ce que c'est une closure et à quoi ça peut servir bah, là, comme ça, ça me rappelle un peu la programmation fonctionnelle où, du coup, on va pouvoir faire des maps en appliquant directement, par exemple, une, une fonction sur une liste. Ouais. Euh, et je vois que c'est à peu près le même délire où, en fait, plutôt que d'appeler directement la fonction, euh, euh, tu appelles, euh, appelles, appelles, sais... appelles ce qu'on appelle un pointeur sur fonction. Un ouais, pointeur okay. sur fonction, c'est une zone en mémoire qui va contenir ce que l'on appelle une routine. Une routine, c'est un petit bout de code qui va venir s'exécuter quand tu l'appelles. Et comme Rust sait où est cette routine dans la mémoire, il peut l'appeler. Parce qu'en fait, ce qu'on euh, va lui passer euh, dans l'opération qui est ici, là, la, le, la fonction, ça... Tu vas pouvoir en fait demander au langage, mais qu'est-ce que tu es en train de manipuler Il laisser, Je vais faire comme ça. Tu vois que ici, il te donne un grand nombre. Ce grand nombre, c'est l'adresse de toi, ta fonction quelque part dans la mémoire. Et tu vois que si tu appelles deux fois multiplié », il va te renvoyer deux fois la même adresse. Parce que c'est vraiment physiquement l'endroit où se situe ta routine dans la mémoire. Ok, et on voit d'ailleurs que les deux adresses sont contigues. Enfin, plus ou moins, mais elles sont très proches l'une de l'autre. Oui, parce que le langage, il n'est pas con, il va pas euh, envoyer des trucs à droite et à gauche euh, mmh. s'il en a tout le temps besoin. Ok. Si tu veux, okay, on, on, tu on, peux, fera, tu on fera un cours de stack euh, si tu as, si as besoin. Euh... Ouais, c'est vrai qu'on avait, euh, avait déjà, discuté l'année dernière de la hyp, Mais... euh, et, et j'ai oublié euh, de la hip et de et de, la stack. Je... Et de la La stack, stack. la stack, c'est euh, l'endroit où tu vas venir exécuter du code que tu connais. La heap, c'est l'endroit le, où, où tu ne connais pas en fait la taille des trucs ou qui ont besoin de bouger au fur et à mesure du code. Là, en fait, quand on a euh, déclaré add et mule, on a vraiment déclaré add et mule. Le code, lorsqu'on a compilé le truc, il a, il a obtenu une place quelque part dans la mémoire. Cette place ne bougera pas de tout le programme. Okay. On l'a vraiment fixé quelque part. Et ce, quelque part, bah en fait, ça va être le contexte de main. Dans le langage de la mémoire, on va appeler ça une frame, c'est-à-dire en fait une, une couche dans la stack. Stack, ça veut dire pile. Et donc, plus tu vas venir faire des appels de fonctions, plus tu vas descendre en fait dans, dans cette pile. Mais ce okay. que, que tu as mis en dessous, comme tes assiettes dans ton évier… Si t'as pas fait la vaisselle, bah les assiettes qui sont tout en bas, c'est les assiettes de la semaine dernière. Ce pas les assiettes euh, d'aujourd'hui. Et ça, c'est la stack. Ça, c'est la stack. Ok. Et donc, oui, je me rappelle, on avait parlé, on avait parlé de, de l'allocation la, de mémoire dans le cadre des vecteurs. Oui. Euh, on avait un euh, bout dans la stack et un bout dans la heap. Ouais. Oui, c'est ça. Okay. Et quand on parle de Borough Checker et de tout ça, ça c'est uniquement de ça qu'on parle en fait. C'est est-ce que ce... On est en train de manipuler et existe encore. Est-ce que le petit bout de truc que tu as mis dans oui. la stack a toujours une existence et pointe toujours sur quelque chose qui a une existence dans la C'est que ça en fait de quand on est en train de parler de de checker. Ouais, borotchecker qui lui s'assure que ça c'est OK dans la logique du code, oui. que on va pas aller manipuler des des emplacements mémoire qui n'existent pas. Là où sur du C par exemple, on aurait une null pointer euh, exception où justement on essaie d'accéder à, à une, une partie de la mémoire qui n'est en fait plus, plus allouée. Par exemple quand tu as une erreur qui s'appelle la segfault, la segfault oui. c'est que tu es soit en train d'essayer d'atteindre des adresses que tu n'as pas le droit, soit tu es en train d'atteindre un pointeur qui n'existe pas. Et du coup, oui, bah, et là, du coup ça devient zéro. Euh, qui te met un coup de pied au fesse exactement ok Ok. et ce qui est rigolo c'est que si on fait un add euh, global ça Comme... va être quand même la même adresse est-ce que tu vas me dire non justement ah Déjà, tu vois que le code, il est cohérent. Tu peux appeler à la fois des fonctions que tu as déclarées de manière naturelle et des closures, avec ta même fonction run, parce que toutes les signatures étant euh, correspondantes, ça fonctionne bien. Alors ça va être quoi Ça va être la signature 2. Tu vois, la signature 2 et la signature 1 ne sont pas égales. Oui. Mais tu vois aussi que euh, cette signature de add elle est plus grande. Donc, ça veut dire qu'elle a été déclarée après. Ah, euh, le, quand tu dis la signature, c'est la... Euh, la signature, l'adresse, la, pardon. L'adresse oui, euh, a oui, été okay. déclarée après. Et en fait, ce genre de truc, tu peux faire des trucs encore plus rigolos en prenant ta fonction qui est ici et en la en la déclarant ici. Parce que vu que tous ces signatures sont égales, que tu les déclares de manière statique dans l'intégralité de ton code ou de manière locale ici, pour le compilateur, en fait, c'est la même chose. Je, je suis en vermule. Voilà. Et donc, si tu veux appeler ton local, Il va avoir une autre adresse encore tu vois ok attends la première c'est le add global local et du coup c'est le global qui a qui a appelé euh... Attends. Euh, global le global est appelé avant du coup le global a été déclaré en premier, parce qu'en fait, c'est l'adresse euh, statique. C'est un truc qui est au-dessus de toute l'exécution du programme. C'est même ouais. avant le, le main, en fait. Ouais. Si, si on pouvait avoir l'adresse du main. Attends, est-ce qu'on peut avoir l'adresse du main Ça, j'ai jamais essayé. Attends, on, va, on va juste tester. On fait du hors-piste, mais ce pas grave. Il faut que tu le. Me... Tu le espères lui être, non ah non, attends, peu, il, me, il me dit que j'ai pas le droit de le faire. Ok, tant pis. Je, ça aurait été rigolo que je puisse le faire, <laughs> de savoir où était l'adresse du main à l'intérieur du programme. <laughs> Bref. Du coup, tu as euh, la, ton ad global qui a été euh, déclaré quelque part tout en haut. Ensuite tu es venu déclarer le add local. Donc, il, a, il est venu le déclarer, euh, c'est celui-là. là, là. C'est E, E, E. Donc, il a été déclaré après, apparemment. Et en plus, tu déclares ta closure qui est ici, à la ligne 15. Mais tout ça, ça a une signature qui est totalement égale. Sauf que la portée de cette fonction... Est limité à main. Ça veut dire que tu ne peux pas appeler add local ici. Parce qu'elle n'existe pas. Si ici on essaye de faire euh, add local euh, de machin, normalement il doit m'engueuler. Tu vois hmm. Contrairement à add global qui lui peut être appelé ici. Mais ça c'est euh, de la tricherie du langage. C'est juste lui, en fait, qui vient euh, cloisonner tes morceaux dans la stack pour éviter que tu puisses accéder à des morceaux lorsque on a décidé que tu n'y avais pas le droit. Mais si tu sais où est euh, l'adresse qui est ici, tu peux très bien aller l'appeler. <laughs> c'est juste que c'est à tes risques et périls parce que le langage ne te certifie pas que cette adresse existe toujours. Mais tu peux le faire. Parce que tu sais que ici, ta méthode run, elle est appelée dans main, et que add local étant dans le main, elle existera encore lorsque tu l'appelleras ici. Mais ça, c'est à toi de savoir où est l'adresse et l'appeler si tu as envie de l'appeler. Mais le langage te dit, bah moi, je ne sais pas si elle existera toujours. C'est toi qui décides si tu as envie ou pas. Le, le train, euh, il va jusqu'à Pau, mais il faut sauter. Quoi. Salut David <laughs> C'est l'analogie. <une> <laughs> euh, ok, je vois. Bon, c'est pas du restidiotique quand tu commences à faire des trucs comme ça, et j'imagine que c'est absolument pas recommandé. Et qui doit... Mais c'est si très bon à savoir, en fait. Là, quand mmh. on... de beaucoup de cours que j'ai vus sur les closures s'arrêtent à... Euh... Bah voilà, euh, une closure. Voici comment on déclare une closure et voici comment on l'utilise. Bonjour. Mais ils expliquent pas pourquoi ça existe, qu'est-ce que ça représente dans la mémoire, quelles sont les limites de son utilisation, ni bah, toutes les analogies que je viens de te donner avec euh, juste une fonction euh, totalement classique. Ok, mais là, là on voit que sur une fonction totalement classique, donc par exemple le add global et le add local sont des fonctions classiques, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui change là par rapport à ces deux-là Parce que et, euh, à rien... Part le stop... De quoi Rien. Ah oui, ça. Toutes sont des adresses mémoire ouais. vers une routine ah, ouais. qui prennent mm -hmm. deux paramètres, 8 deux, et renvoient un 8. C'est okay. tout ce que le CPU a besoin de savoir pour bosser. Parce que là, on est au-delà du Rust. On est dans l'exécution du code, lorsque le truc a été compilé. Et comme tout ça euh, peut être euh, assimilé à la même chose, bah, Rust laisse le faire, puisque de toute façon, c'est safe. Contrairement à ce qu'on dit, Rust ne fait pas chier. Hein. Rust, euh, il permet de faire des trucs débilement stupides. C'est juste qu'il euh, faut savoir euh, comment le faire. Mais euh, en reste est très très gentil, justement. Ok. Ça va Ça va, ça va. Ok. Donc, on a vu qu'on était capable d'avoir une closure. La closure peut avoir des paramètres, peut avoir du retour. On est capable de mettre cette closure dans une fonction. Cette fonction peut appeler cette closure avec des paramètres que l'on met lorsque l'on en a envie. Ce qui signifie que l'on a en fait créé une temporisation sur l'exécution d'un code. Et en fait, c'est la définition même de ce qu'est une closure. C'est comment est-ce que tu retardes l'exécution d'un bout de code dans le flux de ton code. Ok. Qu'est-ce qui nous incite à retarder l'exécution du code C'est lorsque mmh. on a besoin de déclarer quelque chose lorsqu'on écrit le code, mais qu'on n'a ouais. pas envie de l'exécuter tout de suite. Tu prenais l'exemple en Python où tu avais une liste et puis tu faisais des opérations sur chacun des éléments. Ouais. Au lieu de faire un appel à une fonction dans une boucle, bah on peut utiliser, comme tu disais, euh, l'histoire de faire un map avec ta lambda et venir exécuter les opérations dessus. Ce qui fait en fait que tu as créé quelque chose qui est déclaré quelque part, donc qui est en stand-by en fait pour exécuter des choses. Mais qui ne s'exécutera que quand tu lui demandes gentiment de le faire. OK. Mais par exemple, quand je déclare mon add global, ouais. ma fonction elle s'exécute pas avant que je l'appelle. Ah non. Elle, elle s'exécutera une fois que tu l'appelleras. Mais tu vas avoir des, des syntaxes en fait qui vont te demander de donner en paramètre une fonction. Donc au lieu de lui donner euh, un pointeur, donc euh, la, la syntaxe qui est ici là, bah, tu vas lui donner une closure. C comme ça, bah, tu peux balader en fait ta, ta, ton, ton pointeur de fonction dans une variable de fonction en fonction. Ce que tu déclares quelque part, en fait, tu vas pouvoir le déplacer. À un endroit qui t'intéresse, vu que c'est juste en fait l'adresse vers ta routine. Contrairement à déclarer euh, ta fonction, bah, si tu déclares ta fonction quelque part, il faut que tu connaisses son nom. Et ça, c'est chiant, parce qu'il va falloir que tu fasses un tableau avec le nom de ta fonction et l'adresse vers la fonction que tu veux appeler. Le pointeur de fonction te permet justement de euh, ne pas avoir à réfléchir parce que tu manipules juste ta variable fonction et tu appelles ta fonction avec les paramètres au moment où tu as envie de les appeler. Salut Zirconia! Okay. Là, c'est un peu euh, inutile parce que tu vois que as, notre truc il ne fait pas grand-chose au final. On a euh, quelque chose qui est euh, totalement immuable. Euh, et euh, on n'a pas beaucoup d'intérêt à faire ce qu'on est en train de faire. Mais, on peut en avoir. On okay, va... Vous avez dit Il y a un autre cas classique. On ne sait pas si on aura besoin de l'évaluer. Si on n'a pas besoin de l'évaluer... Euh... Bah, j'ai jamais eu ce cas. <laughs> J'ai toujours eu besoin de l'évaluer à un moment donné. Ou alors tu veux dire, de, dans l'instant présent, on n'a pas besoin de l'évaluer, mais on l'évaluera plus tard. Je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça que David veut exprimer. Ok. Après, si j'ai dit des conneries, euh, n'hésitez pas à me reprendre. Salut Tim! On continue? Allez. Allez. Est-ce que tu te rappelles comment ça marche les références ou pas Euh. Oui. Oui. Ok. Donc, on va euh, prendre un nombre. Donc, euh, je sais pas, moi, on, on va l'appeler euh, A. <laughs> J'ai pas d'idée. Et on va dire qu'il vaut 20. Ok. Ouais. Il est possible de venir faire ça. Je vais faire la la, la forme simplifiée sans le, le type. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin. Hop. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que on peut passer une référence de A. Et là, tu te demandes, mais euh, qu'est-ce qui, quest qu se passe <laughs> Euh, ouais, un petit peu, ouais. En fait, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu dire tu as A qui est déclaré. Ce A vaut 20. Ici, tu as A, donc euh, la définition de l'endroit où est placé le 20 dans la stack. Ouais. Tu vas en créer une référence, donc un objet qui possède une ouais. adresse. Et cette ouais. adresse, c'est l'adresse de A, et A contient 20. Ouais, donc ce qu'on appelle un pointeur. Hein. On peut appeler ça un pointeur, mais c'est pas un pointeur pour le coup. Là, c'est vraiment une référence, donc elle est soumise au borough checker. Parce que tout à l'heure, elle n'était okay. pas soumise au borough checker. Ce, ce truc-là, là, là les, les adresses de, de mort qu'on a dans le, mmh. la console ne sont pas soumises au borough checker. C'est euh, vraiment... Euh, elles sont déclarées, et toi, t'es pas censé y toucher. Alors que les ouais, références, ouais. tu es censé y toucher. Ok. En Rust, il y a des mécanismes qui permettent de déréférencer automatiquement des variables quand le type correspond. Donc là, par exemple, euh, ici, on va dire que c'est un U8, comme ça, ça sera clair. Donc là, par exemple, il sait que c'est un U8, et donc il est en train de faire l'addition d'un U8 plus un U8 plus une référence de U8. Parce que là, le type de euh, a si on définit euh, l'et euh, ARF, ça va être un e8 ça le type en fait de ce qu'on est en train de manipuler ici et en fait on peut remplacer euh, par a ref ça change rien euh, au truc ça continue à compiler Okay. en fait ce qui se passe quand tu écris E2A euh, e c'est qu'il détecte que tu as un RF enfin un type E8 qui existe et du coup il va dire bah, ok tu es en train d'essayer d'additionner un U8 à un U8 alors je vais te le déréférencer automatiquement le déréférençage c'est avec une petite étoile comme ça donc on va lui dire bah, va chercher l'adresse qui est pointée il va chercher la valeur et fait l'addition de tout le monde Okay. Donc en gros, tu vas récupérer la valeur en déréférençant une référence de A Oui. Ok, et alors tu fais ça parce que c'est soumis au borrow checker et du coup, si tu utilises A directement, tu le tu le détruis dans la foulée Non, non, on le détruit pas parce que c'est une référence justement. Le... Non, justement, le... si jamais... pourquoi... pourquoi on pourrait pas mettre X plus Y plus A On pourrait. Mais ça serait pas... On peut le faire. Ouais. Et dans ce cas-là, je détruis A quand je l'utilise dans AddWithRest. Alors non. Tu ne le détruis pas, tu, as, okay. tu vas le copier. Tu vas copier 20 dans le truc. Ok. Mais si, par exemple, euh, tu avais autre chose... Euh, comment on va faire ça Ah oui si on peut faire ça comme ça. Je pensais pas ça t'expliquer ça tout de suite. Ah mais... oui, ok, oui, ok. Non c'est bon. S'il y a une structure, du coup la structure euh, je la consomme et je la détruis dans la folie, dans, si... la, dans la foulée. Si par... Mais du coup si... sur une primitive, c'est pas, le... pas le cas. C'est ça. Si par exemple tu mets euh, Toto, notre bon vieux Toto. Il nous survivra. Ah, okay. Okay. Si ici si, si, par contre tu mets Toto Val, Toto disparaît. Alors il faudrait qu'on run à euh, nouveau je pense. On peut le run, ouais. manquer une euh, un point d'exclamation pour la macro ah ouais Donc là tu vois il est venu euh, faire les opérations machin bidule mais ouais. si tu essayes de le run à nouveau de le run à nouveau toto n'existe plus Toto est mort. Toto. Okay. Ah non Toto, attends, non c'est pas ça. C'est des, des BG donc je pense que il y a le langage qui a été plus intelligent que moi pour le coup. Comme on fait du hors piste, c'est normal que ce soit pas préparé. Ah, désolé, je pose des. En fait le, des langage a, le langage a été plus intelligent que moi. Il a ah. récupéré la référence de ce qu'il est en train de manipuler et il a copié Val pour faire l'opération. Ah ok, Ah donc en fait il n'y a pas de destruction quand il va... Là, de... là, pour, là pour le coup tu vois que euh, le Toto il l'a il a très bien utilisé. Et donc et donc il va faire la même chose avec A ah, ou pas Ou alors on est obligé de déférencer bah... les références Ah, enfin l'histoire avec les références là c'était pour montrer autre chose mais... Ok. <laughs> Et du coup en fait il est venu euh, mettre dans le contexte l'adresse la, en fait de A. Oh. Ok ok et tu vois que quand tu vas faire un run de euh, add with ref 5 et 2 aussi hein. 5 et 2 c'est bien. 5 et 2 c'est parfait. Euh... Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mal fait Attends. Ah oui. Et là il te dit un truc. Il te dit. Euh, que le type ne correspond plus. Pourquoi est-ce que le type ne correspond plus Le type ne correspond plus parce que ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ta fonction qui est là, ton add with ref, il est venu comme ce qu'il a écrit dans la console, capturer a. Et capturer A, en fait, va venir changer le comportement de ce que tu es en train de manipuler. Et c'est là que tu commences à avoir besoin des closures par rapport à juste avoir une fonction entièrement déclarative. Parce que là, en fait, le, le type de ce que l'on est en train de manipuler ne correspond plus. Parce, qu Parce que le type-là, c'est du EU8, du coup, c'est ça Non. Du, euh, du, une référence que... à U8. Parce qu'on est passé d'un FN U8 U8 qui donne un U8 ouais. Ouais. à une closure. Tu vois Found closure. Expected FN pointer found closure. Et là, on commence à rigoler. Parce qu'on n'est plus en train de manipuler une fonction. On est en train de réellement implémenter une closure. Parce que depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de te montrer, c'est pas mm. des closures. <laughs> okay. C'est un sucre syntaxique qui correspond à des pointeurs de fonctions, mais qui ouais. n'ont rien à voir en fait avec la vraie notion de closure. La vraie notion de closure. C'est en fait des mini-environnements de travail qui vont te permettre de pouvoir avoir un environnement propre à eux de variables et exécuter des traitements avec un délai dans le temps. Et donc là, le type de notre fonction run. N'est plus compatible avec le comportement que l'on désire avoir. Et donc, il va falloir qu'on change la signature pour pouvoir nous adapter, en fait, à ce comportement. Et là, on va utiliser des. Ça commence par T. <laughs> on en a bouffé, là, il y a deux semaines. Le type non. Type générique Ça, Oui, presque. Et euh, tr 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 très, 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 très. Très. magnifique. Du premier et donc, coup. Et du premier coup, exactement. <laughs> First try. <laughs> Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déclarer une fonction qui va s'appeler runClosure. On va déclarer un type f, ouais. et on va dire que fonction est du type f, et après pour tout le reste on s'en fiche, c'est la même chose. Euh, on voit rien, sauf que là euh, pour l'instant. On n'a euh, pas grand chose qui a été défini sur euh, notre F. Du coup, on va utiliser la syntaxe qu'on avait vue il y a deux semaines, avec glowware where. Tu te rappelles de cette syntaxe Ouais. Dans lequel F va être. Euh... F va avoir un type qui va être un trait. Et ce trait, ça va être Fn. What the fuck Ok qui va prendre deux paramètres et qui va renvoyer un 8. Et avec ça, on va pouvoir reprendre notre DBG. Et je l'ai appelé fonction. Ouais. Et là, on voit que euh, le compilateur, il est content. C'est déjà un bon plan. Ensuite... Le compilateur, il n'a pas l'air content chez moi. Non, il est il est pas content parce que le, le type ne, ne correspond pas parce qu'on appelle toujours run à la ligne 40 mais ici il m'a pas engueulé. Donc ça veut dire que ce que j'ai écrit est quelque chose qui est cohérent par rapport à la grammaire du langage. Oui, OK. Tu parles pas de l'ex... enfin oui, tu parles pas du terminal hein, mais de euh, de 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 la raison syntaxique dans l'IDE. Exactement. <laughs> euh, L'IDE est euh, mon meilleur ami. Hein. Si l'IDE m'engueule, c'est que je suis en train de faire de la merde. Le trait FN, là, c'est un truc quoi C'est euh... un trait. Ok, mais c'est un trait built-in. Euh, c'est est... un trait built-in, ouais. Ok. Et qui, 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 qui est juste. Euh, qui, qui comment dire, qui est juste euh, implémenté par les, par, les, par les closures, comment ça se passe Le trait fn peut être implémenté par tout ce qu'on veut mais ouais. il faut passer dans ce qu'on appelle le nightly on pourra le faire à la fin si tu veux Ok ok je, je te laisse dire envie. tu peux, tu peux l'implémenter sur tout ce que tu veux okay. ce qui crée des, des, euh, des grammaires totalement débiles où tu vas pouvoir euh, appeler une structure mais euh, tu peux le faire. Ok. Je te laisse dérouler. Du coup, est-ce que tu vois un petit peu comment est-ce que euh, Rust va permettre justement de pouvoir créer ce genre de choses Ou pas. C'est-à-dire c'est-à-dire ah, comment est-ce que on est capable de pouvoir appeler notre add with ref ouais. dans une fonction qui appelle cette closure avec des paramètres et en plus la valeur de 20 qui est tout au-dessus. Bah, je m'imagine que du coup l'environnement d'exécution de la fonction... Fait dans le. Enfin, en gros, euh, la fonction a à disposition, dans son environnement d'exécution, l'ensemble des... de ce qui a été déclaré euh, dans, dans le scope de la fonction qui est au-dessus. Oui. Et les closures, étant donné que ce n'est pas des pointeurs, elles sont soumises au borrow Checker. Et donc, lorsque tu déclares une closure, tu vas avoir euh, tous les outils du borrow Checker qui vont t'obliger à ce que toutes les références de tout ce que tu es en train de manipuler mmh. dans ton environnement mmh. soient valides au moment où tu as envie de les appeler. Parce que si tu appelles ta closure et que euh, ton A, il a disparu, ben, ça marchera moyen. OK. Et donc, le borrow Checker peut valider que euh, quand j'ai écrit ma closure, euh... Et que du coup, non, attends, je, je, c'est ça que je piche pas. Parce que la closure, l'idée c'est de tu, pouvoir. Tu veux qu'on fasse une, une un exemple Ouais, je veux bien. Si ici si, par exemple, on, on appelle ce. Comment on va l'appeler On va l'appeler. Euh, closure factory. Factory. On peut en plus en renvoyer une fois une, une closure. Ça je l'ai pas dit mais bon ça me semblait euh, évident. Tu peux très bien renvoyer une closure. j'oublie le u à chaque fois. Hein. Ça c'est totalement valide. Parce que tu as un environnement qui est entièrement fermé et au final ce que tu es en train de renvoyer c'est le pointeur de la fonction. Donc il a été déclaré quelque part et ce quelque part bah on va faire en sorte qu'il survive à le retour de la fonction. En fait, quand tu vas venir appeler ton closure factory, tu vas venir récupérer l'adresse de ta closure et tu vas venir la déplacer dans un autre contexte. Et donc ce truc là, bah, il va continuer à, à survivre en fait. Et donc quand on fait closure factory Tiens, on peut même faire des trucs rigolos on peut faire run de run closure de closure factory de 5 et 2 tu vois que ça c'est valide il me l'a pas affiché Attends, pourquoi il me l'a pas affiché Moi je l'ai en bas. Hum... Ouais mais on renvoie rien. Par contre il retourne rien. Hein. Hum... Il manque pas une parenthèse quelque part Non. Il est pas censé renvoyer. Euh... C'est la ligne 42. La ligne 42... Ah oui, la, la ligne 42 ne renvoie rien. Ouais, c'est normal. Excuse-moi. <laughs> c'est bon. Donc, ça renvoie bien le résultat de euh, 5 et 2 plus 20. Ça, c'est valide. Pourquoi c'est valide bah Parce que ton, ton contexte est entièrement fermé. Par contre, si tu t'amuses à faire ça... Cette fois-ci, c'est plus valide. Euh, pardon. Cette fois-ci, c'est plus valide. Parce qu'en fait, son contexte va avoir une, un élément qui va être extérieur à ta closure, à ton environnement, au final. Et donc, lorsque tu vas appeler ton closure factory ici, tu vas venir déplacer... La, la, la routine avec tout ce qu'elle connaît, donc son, ses opérations. Mais il va te manquer un petit bout. Il va te manquer le EA qui est là. Sauf que le EA qui est là, il n'existe que dans ta fonction Closure Factory et nulle part ailleurs. Ce qui signifie que lorsque tu vas sortir de ton Closure Factory, le A qui est là, n'est plus certifié de continuer à, à exister lorsque tu lorsque tu vas lancer run factory le run, run closure pardon ça va ok et dans ce cas comment je pourrais avoir comment je pourrais faire pour avoir une valeur euh, euh... Il y a un... si, si je peux rajouter 20 en fait il faut pas il faut pas que je le déclare si je mets un x plus y plus 20 directement ça fonctionne ou pas ah oui, tu peux. Ouais. Le, le vin est quelque chose qu'il connaît, donc euh, on, peut le, on peut le mettre dedans. Là, le problème, en fait, c'est que tu as quelque chose qui est à l'extérieur de son existence. Ah oui, parce que du coup, tu retournes une closure, tu retournes pas un. Oui, je, oui, retourne, oui. je retourne le potentiel d'exécution d'une routine. Mais quand est-ce qu'elle sera exécutée bah, En reste, il n'en sait rien, en fait. Il, il sait juste que tu as déclaré une, euh, une routine quelque part dans la mémoire, que tu vas l'exécuter à un temps t, et que ce temps t va dépasser l'existence de A. Donc, de toute manière, c'est pas valide. Ok. Et tu vois, dans le, dans le compilateur, tu as euh, la réponse de comment est-ce que l'on peut réussir à résoudre ce problème. Je te laisse. Écrire ce que le compilateur te dit d'écrire. Euh, donc, il me dit quoi Closure my outlive, the function, but it ah, ah, il, il, a, il, a a il a plein de trucs en dessous. Ouais. Mais tu vois, il y, a des, il y a des petites croix vertes en dessous, avec un mauve. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de pouvoir. Avoir euh, ce que l'on désire. Ah ouais, ok. Donc si j'écris mauve là, ça suffit Oui. Ok, alors ça, ça veut dire quoi ça, ce mauve Ça veut dire que tu vas créer ce qu'on appelle un environnement capturant. Tout ce qui est à la portée de la closure et qui sera utilisé dans la closure, au lieu d'être copié ou cloné, enfin copié surtout, va être capturé et donc déplacé à l'intérieur de l'environnement. Est-ce que tu peux me refaire une autre session On a encore, je pense, un petit quart d'heure. Ça va dépasser. Hein. <laughs> On a littéralement fait du hors-piste. Donc... Est-ce que vous avez des questions dans le chat en passant C'est bon, t'as le... le lien. Merci. Du, 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 du. Je sais, je, suis, je, suis un, je fais les choses un peu plus lentement que euh, ce qu'il y a dans le Rosebook. Mais je pense que c'est important en fait de saisir ce qu'on est en train de faire et pas juste les appliquer euh, bêtement. Quoi. Ouais, ouais. Après, j'avoue que la partie move là. mais allez, mmh... je, vais, je vais te, te l'expliquer. Il y a le Cargo Watch qui a du mal. Ah non, c'est bon. Si on sauvegarde. On va lui mettre ouais. le 21. Non, c'est bon. Ouais. Il disait qu'il était en attente je ne comprenais pas ce qu'il était en train de faire. En fait, ce que va faire Mauve, c'est qu'il va pre venir prendre A, et au lieu de le mettre dans le contexte de closure factory, il va venir le mettre dans le, le, dans le contexte de la closure que tu es en train de déclarer ici. Ce qui signifie que lorsque tu vas renvoyer la closure, tu vas renvoyer la closure A. Et donc, lorsque tu vas vouloir appeler la référence de A, l'adresse qui était précédemment euh, dans, dans le contexte de Closure Factory va se retrouver dans le contexte de ta closure elle-même. Ok, donc le move il, il va aller bouger. Euh, ok. Euh, donc, tout ce que tu déclares au-dessus, en fait, il va aller le bouger dans le contexte d'exécution de ta closure. C'est-à-dire que si tu déclares un B juste après, il va faire la même chose. Mais pour tout le scope qui est dans Closure Factory. Là. Ce qui est surtout important à savoir, c'est que une fois que tu as déclaré ta Closure, là je, je temporise juste le, le retour. Tu peux enlever ton, ouais. ton curseur, il est sur euh, ce que je suis en train d'écrire. Tu qu'à le déplacer, ligne 54 ou une connerie du genre. Euh, ouais, mais je pense que. Attends, ça va pas marcher. Je... Reprends... On est-ce que ça marche ça Non, ça marche pas. Bon, tant pis, je vais descendre d'une nez. Ah non, merde T'es accroché au truc Ah je ouais sais. Non, mais de, je l'ai bougé. Bon, je bah tant bougé, pis. Ouais. J'aime pas. Ok. En fait, ton. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque tu vas vouloir, après, manipuler ton A, tu ne vas plus pouvoir le manipuler. Parce qu'en fait, il n'existe. Merde. Ah, mais je vois pas ce que j'ai Attends, je te le mets. Qu'est-ce que j'ai écrit Ah j'ai pas le D, c'est pour ça. Ouais, bon, bon. euh... Ah, c'est pas bon parce que c'est il est... il est copiable. <laughs> il l'a copié, c'est con. Ah, je peux pas te montrer. Ah, flûte Bon, en gros, normalement. Je... Ah oui, bah oui, la copié en fait. Ce que je voulais te dire, bon là il me laissera pas le faire parce que mon ce que je suis en train de te montrer euh, n'existe pas. Euh, attends, ce que je peux faire. Ça, est-ce ce qu'il est qu va me laisser euh, en paix? arriver. Ouais. Voilà, merci. <laughs> C'est des démarches hein. <laughs> Donc Ici, je déclare une structure qui est Toto. Ouais. Ouais. To toto n'est pas copiable. Donc, ça veut dire ouais. qu'il devra forcément être déplacé pour être utilisé. Ici, ouais. j'ai mon Mauve. Tu dis ça parce que tout à l'heure, on utilisait un 8 qui, pour le coup, lui, ouais. est copiable. Oui, du ah, coup, okay. il m'a cassé les jambes, le 8. <laughs> il est venu avec des bacs de baseball. Yeah, tiens, ton explication donc, tu as ton, ton Toto qui a été déclaré à la ligne 61. Ok Ouais. Son contexte, c'est euh, la euh, fonction close, closure factory. Donc, il a été déclaré en fait dans cette frame de la stack. Lorsque je rajoute euh, le mauve qui est ici, je viens déplacer Toto pour le mettre dans la closure. Ok, jusque là. Ouais. Sauf que maintenant qu'il est dans la closure, bah, il n'est euh, plus dans ouais. Closure Factory. Ouais. Et donc, étant donné que je tente de refaire un bourreau dessus. Donc, euh, tu te rappelles euh, l'histoire du bourreau hein Oui, non, peut-être. Oui oui, 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 oui. José, et oui, tout si ça avec euh, le concierge <laughs> exactement en fait l'élément que j'essaye de bourreau n'est plus considéré comme valide dans le contexte que je viens de lui annoncer en oui, gros le point point est, de, est déjà loué l'adresse n'est plus là non celle là il a déménagé Là, là, on a pris un, un immense camion et on a mis la maison directement sur le camion et on l'a envoyé à l'autre bout de la planète. Ouais, donc, il a rien l'adresse. Donc, tu peux toujours avoir ton, euh, ton contrat de bail. Ton contrat de bail, bah ouais, bah il reste plus que les fondations. En fait. <laughs> Mais il n'y a plus l'appart. <laughs> donc, quand tu vas essayer euh, d'atteindre euh, la référence de ce Toto, il ne pointe plus vers un endroit qui est valide dans la mémoire. Et donc le langage, comme il ne sait pas trop ce que tu vas faire et qu'il n'a pas envie de prendre de risques, te dit bah non, ça n'existe pas. Oui, et du coup, si on vient le move, euh, on se retrouve avec une clôture euh, dans laquelle tu ne peux pas avoir euh, dans le contexte de la clôture Toto. Donc ça pète avant, mais potentiellement mm -hmm. on aurait pu utiliser Toto après. Vu que c'est pas construit se parle par la clôture. Ok. Ça va Ouais, ouais, ça va. C'est velu, mais ça va. Et là, on n'est on est pas, pas dans le simple. Et tu vois que, euh, de la même manière, quand tu essayes de faire un DBG, non pas de la référence de Toto, mais de Toto lui-même, là, il est encore plus explicite Il te dit la, la valeur a été déplacée dans la closure qui est là. La variable a été déplacée dans la closure à cause du DBG. Tu essayes de l'utiliser dans ton DBG à la ligne 70, mais bah, il est plus là. C'est simple, non <laughs> ah Ouais ouais. C'est vrai qu'il est, est explicite. Mais tout à l'heure, c'est vrai que j'avais pas, pas calculé le... Ouais, non, mais parce que le 8, euh, j'aurais pas dû choisir un, un truc qui est copiable, parce que le, le compilateur, il est suffisamment gentil pour venir créer des... Euh des sucres syntaxiques par derrière pour nous éviter en fait de la complexité mais, par ouais. la... mais aussi parce que euh, ce qu'on est en train de manipuler c'est très petit quoi. déplacer un octet ou déplacer un, un tableau c'est pas la même chose si c'est un tableau il va te demander explicitement mec t'es sûr je <laughs> sais pas combien il y a d'éléments ah, euh... dans ton tableau <laughs> pour garder un petit peu de, de cohérence et de perf C'est simple ok Ok. Maintenant, euh, on va voir... Donc, attends, je vais, je vais juste commenter ça parce que ça va être chiant autrement. Maintenant, ce que euh, l'on va voir, c'est que l'on a également la possibilité de faire muter des choses dans notre closure. Parce que pour le moment on a toujours eu des euh, closures qui étaient immuables. Donc, qui ne modifiaient pas ce qu'on leur passait en paramètre. Mais toutes les closures ne font pas ça. Ok. Salut <laughs> <Ça dit> S17. <laughs> Je te répondrai ce soir, si tu veux. Et euh, la le Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, il me, il me manque de la musique. Je vais mettre de la musique. J'ai besoin de musique moi, pour me concentrer. Ce qui est bête, hein, mais ouais. euh... <laughs> j'ai besoin d'être distrait pour être concentré. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir déclarer une closure qui va être dans la capacité de modifier les choses. Pour ça on va utiliser exactement la même syntaxe sauf que on va venir rentrer dans euh, la partie obscure du langage qui est quand on commence à essayer de muter des références c'est le début des emmerdes euh, on va l'appeler euh, double référence, ouais, c'est bien. Cette fois-ci, au lieu de uniquement manipuler des choses en entrée qui sont euh, classiques, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir lui donner en paramètres, donc on pourrait l'appeler x par exemple. Quelque chose qui est mutable. Et donc on va faire par exemple... Euh, hop. La syntaxe est un peu barbare. Je, je n'en disconviens pas. Ouais, ouais, ouais. Je, te, je confirme. Donc ça ça veut dire que on va venir déréférencer la référence mutable de x ça ouais. ça veut dire que on va faire une multiplication par la valeur que l'on a à la droite du égal et okay. le égal lui-même dit tu prends le résultat de x fois 2 et tu le mets dans x en fait on aurait pu écrire ça on peut même éclaircir ça merde ok c'est la même chose sauf qu'on est obligé de mettre une troisième étoile bon tu fais ce que tu veux ok ok et donc comment on utilise ce truc bah on va déclarer une valeur voilà pb tiens tu veux quelle valeur euh, 42 deux Beau choix. Et on va faire double bref de notre b et on va afficher b. Je te laisse réussir à compiler. <laughs> tu as tous les outils pour compiler, normalement. Euh... Alors qu'est-ce qu'il va me dire Ah oui, il faut indiquer que tu l'as Ok. Ok. Pas où il... Je, sais... Je sais pas où il est B par contre. B il est là Ouais, non, dans le. Dans le... Ah si, là. il est là. Primi... Il, en... il est en première ligne. Ah oui, ok. On a fait 42 x 2, ça a bien fait 42. 4,4. Ouais. Donc, 4... euh... <laughs> On a fait 42 fois 2, ça fait 42. <laughs> J'avais dit que j'étais malade. Hein. <laughs> Donc là, on a une, euh, une closure qui est capable de modifier son environnement. OK OK. Je... Avec une fonction classique, on est d'accord, on fait la même chose. Hein. Avec une fonction classique, on peut faire la même chose. Ah, OK. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on avait fait avec notre mule et notre add, Ouais. On va pouvoir créer autant de fonctions que l'on veut avec la même signature. Je te laisse faire une autre fonction qui euh, prend un seul paramètre euh, mutable U8 et qui fait des trucs. Fais ce que tu veux, tu additionnes, tu, euh, tu rajoutes euh, autant de trucs que tu veux. Faut juste qu'elle ait qu'un seul paramètre et qu'elle renvoie un u8 à la fin. Ok du coup le paramètre on va prendre exactement la même chose en 8 euh, et donc ce qu'on a dit c'est que euh, c'est la référence de x, x plus 007 plus 007 je sais pas pourquoi euh, 007 bref bon, à James 40. Bond sûrement yeah. euh et donc là, on va avoir la même chose exactement. RF. et on va avoir le même résultat parce que. Mais un mute. Euh... Ça marche bien aussi. B. Et normalement. Ouais, tu as déjà B hein. Euh, j'ai déjà B. <laughs> non, mais tu peux, tu peux juste. Euh afficher Ça le résultat être... on... on sait que c'est 4... on sait que c'est 84 pour pour le premier donc vas-y fais... fais entrer va enfin, save ah il est déjà save OK ouais, il est déjà save. pourquoi je suis toujours à 84 hum mm -hmm. Ah, parce que tu as, alors, fait, tu, tu as oublié euh, un, petit, un petit truc. <laughs> alors, qu'est-ce que j'ai oublié euh, Si je fais un adresse mute B, adref... là tu, Là, tu as une, euh, une fonction qui renvoie x plus 100. Ouais. Ah oui. Euh, alors qu'en fait, il faudrait que je définisse. Oui, que ça reprenne mon x plus 100. un oui. petit euh, j'avais pas regardé ce que tu avais fait. Donc là, on a bien 184. Ok. Je te laisse faire la fonction runClosureMute. La seule différence, c'est que euh, le train ne sera plus FN, mais fn FNMute, avec une majuscule à M. Alors. Uh, run closure RunClosureMute, donc on a un seul paramètre. Oui. Hein, Et on a un seul on... paramètre. Hein. Ah, S'emmerder. Okay. Donc la fonction, on a que un x du coup. Et du coup, la fonction en question. Euh, et du coup, par contre, le X est un mute. Euh... Je sais plus si du coup je dois le. Non, je lui passe un mute. Et du coup, tout ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je <laughs> suis content. Euh, et du coup, à la fin, je lui passe un hein, run closure mute. Regarde, regarde quand même ton, ton IDE, il te, il te dit des choses. Euh... Vas-y, vas appelle, appelle ta fonction euh, adref avec euh, ton paramètre. Et mon paramètre, ça va être B. Et alors, qu'est-ce qu'il va me dire Il va me dire que non. Euh, euh, alors, expected 8 found. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Mismatch type. Ah, il manque un mute ici. Oh, c'est surtout ce que je t'avais dit en premier, c'est que. Euh, ton type va différer, ça ne sera plus un FN, ça sera un FN mute. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est le premier truc. Okay. Ensuite, ton type, c'est pas un U8, c'est une référence de U8. Parce que tu es en train de manipuler la référence mutable de B et non pas B lui-même. Ouais. Et du coup, je retourne une référence de U8. Dans, ton, que... dans ton FN mute, il faut que tu mettes mute aussi. Ah oui. Vas-y, sauvegarde. Là, il te dit que ton type il est incorrect parce que tu as écrit ému de x, or ça, c'est pas la signature, c'est le, le type de, de variable que tu es en train de déclarer. Ok, vas-y. Et est ce qui me dit ah, bref... ah oui. Donc là, je vais donner euh, B. Alors, évidemment, c'est une mute OK. Et là, qu'est-ce qu'il me dit Explo Et là, il te dit qu que le type de retour n'est pas bon. Ah, c'est oui, ça. Parce que... ça, ça dans la si... Non, non, ça, c'est dans la signature de ton run closure mute. Vas-y, redescends. Tu vois qu'ici, tu as flèche 8. Donc, tu lui, renvoies en... tu lui dis que ta fonction renverra un 8 Or c'est pas le cas. on elle... Elle, 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 refairement... elle renvoie rien du tout. Parce que là j'ai un DBG. Ok. Mais si je. Non non c'est oui. pas ça. C'est que ta... oh, regarde. Si tu regardes ta, ta fonction adref ce qu'elle fait c'est que si tu prends, tu montres son. son ah, type. Oui. En fait son type ça va être. Donc ça c'est pas correct. Hein. Ça... ça existe pas mais. Euh... Son type, c'est ça. C'est un pointeur sur fonction qui prend une référence mutable de 8 et qui renvoie rien du tout. Ok. Ok. Donc, ça renvoie rien. Et donc, quand ça renvoie rien, euh... je sais plus ce qu'on avait dit, je sais plus ce qu'on lui donne. Là, ici. Non, Demain. tu... tu, tu, ah, tu... Lit, hein. Non, non, c'est rien du tout. Ok. Donc là tu peux enlever. Et maintenant, il te dit une dernière fois, une dernière chose, il te dit que ta ouais. fonction n'est pas mutable. Il te le donne dans le. dans le dans l'IDE. Le, Je vois ça. Ma fonction n'est pas mutable. Ok, Alors, tiens d'ailleurs. J'ai paniqué là. Ah, il a, il a overflow. <laughs> on, on, on rajoute trop de nombres. Attends. On va rajouter 10 à la place. <laughs> yeah. ah. Il a déplacé les 255 euh, qu'on avait expliqué pendant la, la première séance. <laughs> ok. Donc là, tu as euh, la signature de quelque chose qui est capable de muter des choses. Et tout ça, c'est euh, obligé d'être mutable partout parce que tu dois, en fait, Rust doit s'assurer que tu es en conscience du fait que X va se faire dégager la gueule, que ta fonction va muter des trucs. Donc il faut que ton, tu sois euh, conscient que ce que tu es en train de donner à la fonction va venir modifier des trucs. Et de la même manière. Pour éviter que ton run closure ne mange quelque chose qui modifie quelque chose, tu vas dire, bah oui, ok, j'accepte les trucs qui modifient des trucs. Et ça, ça permet en fait, de verrouiller tous les comportements. Si tu ne veux pas que quelque chose soit mutable, bah Rust, il, a, il te donne tous les outils en fait, pour éviter que ce que tu es en train de manipuler, qui est une routine quelque part dans le code, n'aille modifier des trucs que tu ne veux pas qu'ils modifient. Ok. Tu vois un peu l'idée Ouais, donc à partir du moment où... Bon, grosso modo de ce que j'en comprends, c'est qu'à partir du moment où je vais euh, manipuler des, des mutables, ouais. donc là pour le coup euh, c'est notre B qui est mutable, euh, tout est mutable. Bah dès que tu commences à devoir muter des choses, ton type va différer. Donc là par exemple, j'ai euh, si ici si tu mets juste Fn, tu vois que là il n'y a pas de problème. Tu peux virer le mute. Mais dès que tu mets Fn mute ici, tu vas devoir dire que ta fonction elle-même est mutable. Ok. Okay, Et ça, cette, de... cette mutabilité, bah, ça va être super important quand on verra l'asynchronisme. Parce que là, vu que tout notre, notre code, il fonctionne comme du papier à musique, il n'y a pas de problème. Mais quand on voudra rendre asynchrone notre code, là, ça, deviendrait, ça deviendra essentiel de savoir qui modifie quoi à quel moment. Parce qu'autrement, bah, c'est euh, littéralement le même euh, principe que euh, tu essayes de faire un tableau avec trois personnes. Si deux personnes sont en train de peindre dans la même zone, il bah, y en a un qui met un coup de pinceau rouge et l'autre qui met un coup de pinceau vert. Bah, il va y avoir un petit problème. Quoi. Et comme tu es en train d'exécuter des bouts de routine un petit peu partout, tu dois t'assurer que ce que tu es en train de manipuler. Bah, ne n'aille pas modifier des trucs si tu n'as pas envie qu'elle modifie. Ok. Là ce que je j'ai juste un petit doute, c'est euh, pourquoi il m'a permis de le faire. Ouais, pourquoi on n'a pas besoin d'avoir un FN mute Il m'a permis de le faire, parce que si on suit l'IDE, c'est que euh, un FN est un FN mute peu le plus peu le moins c'est pour ça que ça fonctionne et si par exemple j'avais mis euh, fn once je pense qu'il m'aurait engueulé ah non il me laisse aussi je vais ok donc le fn est plus restrictif oh, c'est intéressant ça je, je creuserai pour la, pour la prochaine fois pour le coup ok c'est pas mal quand même pour euh, notre petite séance Ouais, 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 c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions au chat Parce que je pense qu'on va devoir euh, faire une deuxième session closure, mais quand on aura appris l'asynchronisme, là on va en avoir besoin pour autre chose. Je demandais à ChatGPT me générer du code pour faire une implémentation de sangleton. Il m'a sorti du code Unsace c'est juste lui il y a moyen de faire ça ce safe. Euh, le singleton est possible à faire euh, en safe mais en fait tu vas juste wrapper du unsafe pour le faire donc il est pas il a, il a pas tort mais il y a des libres en fait qui le font t'as qu'à regarder euh, one cell et euh, lazy static est-ce que t'as des questions Manu euh, si je veux creuser un peu le cas des closures, là. Ouais. Parce que pour l'instant, je, je vois à peu près comment ça fonctionne. Euh, mais dans un cas pratique, pour un truc comme ça, il y a un exo ou peut-être les Rose My Example, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire euh, pour... Euh, bah on... Un... on a... Hop. Mm. Alors t junior, t junior. je suis en train de chercher le lien en même temps. Hop. On a un, un super projet qui se nomme euh, Rustling, qui va contenir en fait des euh, tout un tas d'exercices. Je suis en train de chercher celui sur les closures. Ouais, il n'y a même pas, tiens. Ils l'ont appelé fonction peut-être Non, c'est pas fonction. Non, mais Du coup, on peut, on peut l'installer directement, c'est un crate. Euh, c'est un projet GitHub qu'on ouais. peut euh, directement exécuter. Je vais donner le lien comme ça dans le chat. Je veux bien S Je veux bien S. Bien. Voilà. Et en fait, c'est un, 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 un repo qui va contenir tout un tas d'exercices. De, pour justement bah, tester un petit peu euh, tout, tout ce qu'on est en train de faire en fait existe euh, sous la forme de, euh, de petits exercices. J'arrive pas à trouver le mot closure, ça me trouble. Il n'y a pas un moyen de rechercher des trucs sur GitHub Non. Euh, sinon, le ah si là. là. Un et d'aller regarder directement. Il son... ah, y a que des issues sur les closures. Il n'y a, de... a pas de cours en lui-même. Bon, bah, désolé. Euh, non, je sais pas. <laughs> Mais il y a plein de trucs dans, dans wrestling Donc, euh, lambda, non, lambda, ça fait pas partie du... du vocabulaire de Rust. Non, je sais pas. <laughs> je J ai... J ai pas prévu cette partie. Donc. Euh... La prochaine fois, euh, je vous je prépare un truc euh, sur euh, comment aller plus loin si on veut. On va s'arrêter là euh, s'il ouais. n'y a pas d'autres questions. Et euh, bah, on se dit la semaine prochaine si ça vous va. On verra les collections. On verra comment est-ce qu'on utilise nos magnifiques euh, closures pour faire des trucs rigolos. Donc je vous remercie de votre écoute. Et puis euh, sur moi et Manu, euh, on vous dit au revoir. Bonne journée à tous et à toutes. Tu dis au revoir, Manu. Au revoir.